Joe 2018, Marcel Hirscher, l'erreur que l'on n'attendait pas. Le meilleur skieur alpin du monde a raté son slalom et la passe de 3 à Pyeongchang. On ne se moque pas impunément du riz en Corée du Sud, où le grain se retrouve dans tous les foyers et dans tous les rites. Sanung, protecteur des agriculteurs, dieu des 5 graines dans les croyances coréennes et chinoises, l'a rappelé à l'Autrichien Marcel Hirscher en le poussant à la faute dès la première manche du slalom olympique de Pyeongchang, jeudi 22 février. Je compte déjà les jours. Et, désolé, ami Bazou, je ne peux plus voir ce riz, avait-il lâché après sa victoire dans le géant, 4 jours plus tôt. Mais les plus cartésiens, et Marcel Hirscher l'est assurément, jugeront que si l'Autrichien a raté une porte après un virage trop large, c'est qu'il était fatigué de ses courses, et surtout des sollicitations ayant suivi ses 2 titres olympiques, en combiné et en géant. La dernière sortie de piste de Maître Hirscher remontait à plus de 2 ans, il est le plus sûr des slalomeurs. Sur quelle piste l'Autrichien avait-il alors fauté? Celle du Zenwanaiba, au Japon. Puni, déjà, par la divinité locale du riz, le puissant Inari. Le protégé d'une célèbre marque de boissons énergétiques, a préféré incriminer la neige, comme 4 ans plus tôt à Sochi, où il avait décroché la médaille d'argent. De fait, il semblait déjà mal à l'aise sur les premières portes et accusait, au milieu de la première manche, un retard de plus d'une demi-seconde sur son rival norvégien Henri Christophersen. Ce dernier chutera à son tour dans la seconde manche, laissant la victoire au vétéran suédois André Miré, 35 ans. J'avais déjà un très mauvais pressentiment, c'était pourri avant même que la course commence, a raconté Marcel Hirscher. C'est la conclusion logique de mauvais entraînement où je n'ai jamais pu trouver de vitesse. Certains skieurs ont des problèmes d'accroche sur la neige glacée, pas moi. Mais, quand c'est de la neige accrocheuse, et compacte comme ici aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à gérer. Les organisateurs avaient laissé entendre, 3 jours plus tôt, que de la nouvelle neige, davantage glacée et au goût du champion, pourrait être injectée. Il n'en fut rien et Marcel Hirscher ne s'en est pas formalisé. Ces jeux, a rappelé le discret meilleur skieur du monde, étaient déjà absolument parfaits. Sportivement parlant s'entend, puisqu'il s'était tout de même plaint des tribunes vides, et d'être au milieu de nulle part. Billet d'avion disponible. Il a certes échoué à rejoindre dans l'histoire olympique du ski alpin, comme tout le monde le prédisait, l'Autrichien Tony Selle et le Français Jean-Claude Killy, seul triple champion olympique lors d'une même édition, respectivement en 1956 et 1968. Mais ces 2 titres comblent le seul manque dans son palmarès gargantuesque, constitué de 6 gros blocs de cristal du classement général de la Coupe du Monde. Marcel Hirscher avait abordé les Jeux avec sur les épaules, cette pression d'un premier titre olympique à conquérir, même s'il aimait à dire que cette consécration ne l'obsédait pas et qu'il se sentait tranquille en Corée. On ne peut pas comparer avec les mondiaux de Chladming, à 30 minutes de chez moi, c'était bien, bien plus difficile, disait-il après le géant. Au championnat du monde, il y a beaucoup de médias, le studio de la télé autrichienne. Ici c'est un peu pareil, le titre est juste différent. Je suis heureux d'en avoir 2. Son propre entraîneur, Mike Pircher, n'en croit rien. Ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'il voulait le titre du slalom. Il a eu tellement de succès ces dernières années que, si vous n'avez pas dans votre collection cette médaille d'or, c'est un peu triste. C'était le but ultime. Au mois de mars, l'Autrichien aura un 7e gros globe d'affilée à aller décrocher. Ce qui dans son pays n'est pas moins prestigieux qu'un doublé olympique. Il n'avait donc qu'une envie, après son slalom raté, j'espère qu'il reste des billets d'avion disponibles, pour que je puisse rentrer chez moi dès maintenant.